Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La maison est quasi clean partout. Il me reste à nettoyer les clims pour passer en mode hiver, donc nettoyer tous les filtres. Ici, ça a déjà été fait par mon mari, mais juste les filtres, pas le dessus où c'est poussiéreux. La VMC là qui est tout noir et les clims aussi des chambres parce que là, comme vous pouvez le voir dehors, il fait pas beau. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas vu le soleil et concrètement, on commence à se peler. Donc, je ferai ça dans la prochaine vidéo ainsi que le nettoyage des électroménagers ainsi que ceux qui sont dans le CI. Mais aujourd'hui, je repars sur un gros retour de course du mois. Du coup, parce que je trouve que c'est... En faisant comme ça, je m'en sortais hyper bien en fait de partir une fois, voire deux fois dans le mois pour les courses. Et je me rends compte que quand c'est les vacances, ben en fait, t'es perdu quoi avec les gosses. Donc aujourd'hui, ça va être eh bien inventaire. Je vais pas nettoyer le frigo aujourd'hui. Je le ferai dans la prochaine vidéo, en espérant qu'il soit pas trop plein. Donc inventaire du frigo, inventaire des épices, inventaire de tous les placards pour faire un gros drive. Pour aller aux courses, concernant les fruits, j'en ai encore pas mal. J'ai encore des poires ici, j'ai encore des pommes et des kiwis. Du coup, je vais pas reprendre de fruits. Les artichauts, je vais les faire aujourd'hui, voire demain. Mais je veux pas reprendre de fruits pour pouvoir les écouler, quoi. Donc, allez, c'est parti. Et du coup, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait noir de chez noir. J'ai beau allumer les lumières, mais il faut que je me mette des suspensions parce que là, c'est plus possible. Donc, je prends un carnet de chez Action. To-do list et je vais noter tout ce que j'ai besoin, comme ça je le reporterai sur mon drive pour ne rien oublier. Je commence donc par vérifier les dates de péremption, j'avance les produits et je regarde ce qu'il me manque dans le frigo. Ensuite je passe au garde-manger et je fais la même chose, je vais prendre tous les bocaux qui étaient vides, je prends le panier qui est derrière et je vais tout ranger dans les bocaux. J'en profite d'ailleurs pour changer de bocaux et de mettre tous mes produits dans ceux-ci, comme ça je pourrais virer ceux qui ont le couvercle bronze et je pourrais soit les vendre sur Vinted, soit sur Le Bon Coin, soit sur Marketplace, mais je vais m'en débarrasser pour que j'ai tous les mêmes bocaux dans mon garde-manger tout simplement. Ensuite, je prends ma petite liste et à chaque fois, je note ce qu'il me manque. Donc, je fais la même chose pour tout le garde-manger qui se trouve ici. Le sucré, le salé, les chips, les conserves. Et je fais exactement la même chose au niveau des épices, comme ça on fait un bon réassort. Je regarde au niveau des produits ménagers, comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de grand chose parce que c'est bien plein. Et je vais voir au niveau des congélateurs et je note ce que j'ai besoin. Je passe au niveau de la salle de bain et des WC, mais concrètement, il n'y a pas besoin de grand chose à part du papier toilette et une brosse à dents pour ma fille. Et ensuite, je file à la cuisine et je vais laver tous les bocaux que j'ai enlevés de mon garde-manger. Comme ça, tout sera propre, rangé, je pourrai les prendre rapidement en photo pour m'en débarrasser.
words are tired to walk the line. I said, then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor. And we don't have to fall. Donc voilà, j'ai rempli ma liste de courses. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer le drive. Donc, c'est parti. On commence le retour de course. Je vous montre sac par sac. Je range au fur et à mesure parce que sinon, la chaîne de froid, elle sera cassée. Et je commence par le surgelé avec Leclerc. Donc, j'ai pris des feuilletés comme ceci, charcutier, et des feuilletés jambon fromage, ça c'est pour dépanner. J'ai pris de la paella, ça c'est pour dépanner aussi, elle est super bonne. J'ai pris des paniers jambon fromage, j'en ai pris 2 par 4. J'ai pris des nuggets. J'ai pris des pommes noisettes. J'ai pris des pommes duchesse. J'ai pris des pommes dauphine. Et j'ai pris des rostis comme ceci. Je range et je poursuis. Ensuite, deuxième sac. Donc, j'ai pris des piccolini comme ceci. Des mini pizzas à partager par 9 jambon fromage. Demain, on a une soirée Halloween et du coup, j'ai pris ça. On va faire en tout cas la bonne franquette. Tout le monde a ramené un truc là, auberge espagnole. Et du coup, j'ai pris ça pour les enfants au cas où qu'il y ait des choses qu'ils ne mangent pas. Ça, c'est une valeur sûre. Je sais bien, c'est du surgelé, oui, mais voilà, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai pris des steaks hachés à l'oignon. J'ai pris des pommes de terre rissolées. Et donc, j'ai fait le plein en pommes de terre, hein. J'ai pris des pommes de terre potatoes finement épicées. J'ai pris des frites. Et j'ai pris une folie forestière de champignons. Bolet jaune, shiitake, foliote, girole sec. Ça, c'est pour le surgelé. Je poursuis avec le frais de chez Leclerc. Donc, j'ai pris 2 fois crème dessert au chocolat comme ceci, marque repère. J'ai pris 2 fois liégeois comme ceci. J'ai pris 2 fois lardon fumé comme ceci. J'ai pris du bacon. J'ai pris du saucisson, enfin cervelas. J'ai pris du blanc de poulet en 4 tranches. J'ai pris des yaourts à boire comme ceci, tout petit par 8. J'ai pris du jambon en 4 tranches comme ceci. J'ai pris de la truite fumée comme ceci. J'ai pris 4 paquets d'allumettes de jambon comme ceci. Je vais faire un cake jambon olive. Il y en a, c'est pour le reste du mois. Et je vais faire pour demain une tarte au poireau. Ensuite, j'ai pris 500 g de fromage râpé comme ceci, Eco Plus. J'ai pris une mi-chèvre comme ceci, Eco Plus. J'ai pris aussi du fromage à burger. Ensuite, j'ai pris 2 fois de la mousse au chocolat au lait. J'ai pris du chorizo doux. J'ai pris un fouet catalan parce que concrètement, en termes de saucisson, c'est ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui. Moi, je payais un saucisson 7 euros, c'est pas possible. J'ai pris une pointe de brie comme ceci. Et j'ai pris du saucisson sec comme ceci en tranches. Et du jambon serrano comme ceci, cru aussi. C'est au cas où qu'on passe raclette puisque j'ai encore du fromage raclette dans le frigo. Ensuite, je continue. J'ai pris des œufs à Leclerc. Ensuite, j'ai pris, on va passer avec Lidl, le frais. Donc, j'ai pris une cuisse de dinde chez Lidl. J'ai pris du poulet comme ceci, cuisse entière. J'ai pris du pilon de poulet. J'ai pris des hauts de cuisse comme ceci. Ensuite, j'ai pris du pain, c'est un pain rustique. J'ai pris 2 pâtes brisées et 2 pâtes feuilletées. Ensuite, j'ai pris des steaks à griller comme ceci. J'ai pris du poulet fumé comme ceci. J'ai pris des steaks de porc comme ceci. J'ai pris du sauté de poulet comme ceci. J'ai pris des aiguillettes de canard
comme ceci. J'ai pris 4 saucisses de Toulouse, par 2 d'ailleurs il me semble. J'ai pris des escalopes de dinde à la milanaise. J'ai pris du sauté de porc. Donc voilà le deuxième paquet de saucisses. Ensuite, j'ai pris de l'émincé de porc. J'ai pris des escalopes de dinde. J'ai pris des paupiettes de veau. J'ai pris du rôti en XXL. Donc il y a 2 rôtis de porc. Et j'ai pris 2 filets de poulet fermier. Ça, c'est pour le frais de chez Lidl. Ensuite, je poursuis avec l'épicerie et l'hygiène. Donc déjà, j'ai pris un gros paquet de 24 rouleaux de papier toilette. Et j'ai repris 6 essuie-tout. Ensuite, j'ai pris du détachant comme ceci en sachet, les sachets anti-décoloration de la marque Leclerc. J'ai pris un paquet de torsade en 1 kg. J'ai un paquet de spaghettis, normalement il y a un deuxième. J'ai du cubord, j'ai de la bière, j'en ai 3, je crois. Donc j'en ai 2 comme ceci, j'ai une troisième comme ceci. J'ai des sacs poubelles. J'ai repris de l'ail semoule. Ensuite j'ai des sauces bolognaises, donc j'en ai 1, 2, 3. Ensuite, toujours avec Leclerc, j'ai pris 2 paquets de farine comme ceci. J'ai pris 2 jus de raisin, je vais y arriver. J'ai pris 1 kg de sucre. J'ai pris une bouteille gazeuse comme ce style Orangina. J'ai repris du sirop de grenadine. Je pensais que c'était une bouteille en verre et en fait non, c'est du plastoc. J'ai pris une bouteille de limonade comme ceci. Et j'ai repris du thé pêche comme ceci en sirop. C'est beaucoup plus pratique à couper avec de l'eau que d'acheter des bouteilles de thé glacé. Ensuite, j'ai pris de la lessive comme ceci, fraîcheur et copus. Il n'y avait plus de lessive en promo. Après, il n'y avait plus de promo chez Leclerc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle commence demain et que du coup, ils arrêtent les promos au dimanche ou j'en sais rien. Enfin bref. Du coup, j'ai pris des copus en liquide. J'ai pris un paquet de mouchoirs comme ceci, sensitive. Ensuite, j'ai pris des sacs de congélation parce que j'en avais plus. J'ai pris des moyens et des grands. Donc, on verra du 3 litres et du 6 litres. Ensuite, j'ai pris du flageolet. Donc, j'ai pris une boîte de flageolet, une boîte de haricots blancs. Et il me semble que j'ai pris une deuxième boîte de flageolet. J'ai un deuxième sac poubelle, je ne sais pas pourquoi. Mon doigt a dû mailler, comme on dit. J'ai repris de la bière ici. Et de la bière, celle-ci, elle était en promo. Ensuite, j'ai de nouveau du jus. Donc, j'ai pris 4 briques de matin fruité, comme ceci. Donc là, il y a la deuxième, la troisième, la quatrième. Et j'ai pris 4 jus d'orange sans pulpe. 1, 2, 3 et 4. Je poursuis avec biscuit apéritif saveur barbecue. Ensuite, biscuit apéritif saveur poulet. Nous avons ensuite du couscous fin comme ceci. Nous avons des chips comme ceci à l'ancienne. Nous avons un pain de mie. Ensuite, nous avons des barres de céréales à la cacahuète comme ceci. Nous avons 2 paquets de penne. Nous avons le deuxième paquet de spaghettis qui est là. Ensuite, nous avons des rasoirs. Nous avons un quatrième pot de sauce bolo. Nous avons une brosse à dents pour ma fille. Nous avons de la gelée de groseille. Nous avons de la compote. Donc j'ai pris 2 pommes fraises. Ensuite nous avons 2 pommes poires. Et ensuite nous avons... Non, pommes tout court. Et ensuite nous avons... Non. Oui, 2 pommes poires et 2 pommes. Bientôt terminé, il reste 2 sacs. Donc j'ai pris des biscuits apéritifs. Donc j'ai pris des sprites comme ceci. J'ai pris 2 petits écoliers comme ceci. J'ai pris 3 brins comme ceci, des gaufrettes. Ensuite j'ai pris des haricots lingots comme ceci secs. J'ai pris du chocolat Nussicao. J'en ai pris 2 comme ceci. Ensuite j'ai pris des olives pour faire mon cake à l'olive et au jambon. J'ai pris 3 petites boîtes de pâté, ça peut dépanner. J'ai pris une sauce au poivre vert comme ceci. J'ai repris de la soja bio cuisine comme ceci. J'ai pris aussi de la cassonade parce qu'en ce moment on fait vachement de crêpes. Ensuite j'ai pris des madeleines comme ceci.
J'ai pris des cacahuètes comme ceci. J'ai pris un petit paquet de snacks salés à la cacahuète comme ceci. J'ai pris des pois cassés pour faire soit une purée de pois cassés, soit une soupe de pois cassés. Il y a un deuxième paquet de madeleines comme ceci. Et j'ai pris des biscuits comme ceci, style Pépito. Du coup, je termine par le dernier sac de chez Lidl cette fois. Donc, j'ai pris un calendrier de l'Avent pour ma fille. Ensuite, j'ai pris une boisson comme ceci, tropicale, style Oasis pour ma fille. J'ai pris des bonbons pour Halloween. Donc, j'ai pris une boîte comme ça. J'ai pris aussi des fraises Sagada, mais c'est pas la marque. J'ai pris des petits chocolats ici pour aller avec le café. Et j'ai repris des petits chocolats aussi ici pour aller avec le café. C'est un petit mélange, un petit peu comme les Bounty, Twist, etc. Et franchement, c'est beaucoup moins cher et ils sont très très bons à Lidl. Et une petite gourmandise comme ça avec le café, ça fait pas de mal. Et du coup, regardez un peu les dégâts de tous les sacs là, j'en peux plus, mes filles ont rangé le PQ. Et du coup, j'ai pris 3 packs d'eau gazeuse, 4 packs d'eau plate et un petit pack de lait. L'eau avant, j'en prenais plus, mis à part de l'eau gazeuse. Là, j'en reprends parce que pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont pas au courant, quand on a rempli l'eau de la piscine, elle était jaune pipi, on l'a fait analyser et on a découvert qu'il y avait du cuivre dans notre eau, ce qui n'est pas normal pour de l'eau potable. Je filtrais déjà mon eau avec des pastilles, des billes en céramique, mais du coup, il faut que je trouve un moyen de filtrer l'eau encore plus, sans enlever les minéraux, mais en m'enlevant le cuivre, quoi. Donc du coup, je suis repassée à l'eau. C'est pour ça que j'ai autant d'eau, mais avant, je n'avais plus autant d'eau, malheureusement. Mais comme je tombais souvent malade et que j'ai une fille qui tombait souvent malade aussi, j'ai vite compris pourquoi, pour le coup. Donc du coup, j'en ai eu pour 231,74€ à Leclerc, 142,48€ à Leclerc. J'ai pris aussi 2 sacs de 20 litres de terreau. Le terreau, je vous en ai parlé la dernière fois où je m'étais fait avoir. J'avais payé 8,50€ 20 litres en jardinerie. Et là, à Leclerc, ils sont à 1,77€. Donc, j'ai pris 2 sacs. Franchement, heureusement que j'ai une grande voiture, quoi. Parce que si j'avais une petite voiture, ça aurait été pas possible de faire les grosses courses comme ça pour le mois. En plus d'avoir les filles, quoi. Donc, j'ai mis le terreau devant. Voilà. Du coup, ça m'a revenu pour le mois à 374,22€. Sachant que j'ai pas de viande hachée. Donc, peut-être que je retourne acheter de la viande hachée. Et sachant que il y a bien moyen que je retourne d'ici 15 jours pour acheter des produits frais et des fruits. Parce que pour le coup, j'aurai plus de fruits. Des légumes, va peut-être falloir que j'en rachète. Parce que du coup, je vais vous proposer, je vais vous montrer mon menu aussi de la semaine. Il y aura en plus de la soupe chaque soir. Donc voilà, je vais vider un max au niveau des légumes. Et comme ça, j'irai racheter des légumes, des fruits et des produits laitiers. Je dois aussi racheter les croquettes pour le chien. Le chat, ça va, j'avais pris un gros sac de 4 kilos. Donc, ça devrait aller. Il faudra juste que je récupère les croquettes pour le chien. Donc, cette semaine, nous avons... Il y avait du gratin de pâtes à midi. Ce soir, c'est purée de pommes de terre et saucisses. Demain, c'est nuggets et frites. Demain midi, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, demain soir, on fait une soirée pour Halloween. Mercredi, je vais faire un carré poulet avec des lentilles et du riz. Ce sera pour la journée. Jeudi, c'est un gratin de brocoli et chou-fleur. Je vais faire des petites pommes de terre, soit dauphine, soit duchesse. Enfin, un truc que j'ai pris pour les filles, parce que gratin, brocoli, chou-fleur, tout seul, ça va pas le faire. Donc, elles auront un petit peu de gratin et elles auront aussi des pommes de terre à côté. Vendredi, je vais faire du poisson avec des pommes de terre. Je sais pas ce que ça va être dans le lot que j'ai pris, je verrai, sachant que je pense que ce sera que pour le midi. Le soir, faudra que je trouve autre chose. Samedi, il y aura des pâtes à la bolognaise. Dimanche, je vais faire de la blanquette de veau avec de la semoule. Donc voilà, et je vais inclure aussi de la soupe pour tous les soirs. Donc je sais pas si je ferai une soupe voire deux, à voir. Alors ce soir, j'aurai pas le temps, mais à partir de demain, demain j'aurai pas le temps non plus. Bon, demain midi, il y aura de la soupe. Parce que demain soir, ça m'étonnerait qu'il y ait de la soupe à la soirée où on sera. Une fois que les courses sont faites, voilà ce que ça donne. Le frigo est bien chargé. Au niveau du garde-manger ici, voilà ce que ça donne. Tout est bien rempli. Idem pour le tiroir à épices, tout est de nouveau bien rempli. Ici, c'est de l'eau en stock qui ne rentre pas ici ni dans le frigo, puisqu'ici, tout est bien rempli aussi. Tout en bas, c'est pareil pour l'eau. Au niveau des frigos, ici, eh bien, tout est bien rempli.
Le congélateur ici est plein. Ici, c'est pareil, c'est full de partout. Tout est super bien rempli. Et pour terminer ici, c'est pareil, c'est super bien rempli. Dites-moi en commentaire pour combien vous en avez aux courses au mois, si vous faites les courses à la semaine ou au mois, et si jamais vous respectez votre budget ou pas. Je vous attends en commentaire.